C'est un spectacle, c'est racontez-nous, parce que c'est l'histoire du destin de Raïm. Qui est un homme qui vit vraiment, qui existe. Et hein, qui est là. Qui a 91 ans. Qui a 91 ans et qui existe. Donc c'est une histoire vraie. En fait, je raconte son histoire. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui naît en 1930 en Pologne, juif polonais. Et s'il naît en 1930, il ne peut pas avoir 91 ans. Ouais, parce que je me suis trompée, je voulais voir si vous suiviez. Oui. Et j'ai tout de suite passé un coup de fil à l'auteur. Et c'est un texte que j'ai appris par cœur. Ah oui. Et donc voilà, non, donc, il naît à peu près dans cette période-là. Donc il y a une différence entre sa vie réelle et ce qu'il raconte dans le temps. Non, pas du tout. C'est selon le calendrier de l'Égir. C'est André Comasias. Mais qu'est-ce qui est juste? C'est l'âge ou la date de naissance? Je suis nulle en chiffres. Voilà. Donc il naît, ça je sais qu'il est né. C'est un enfant qui naît en Pologne. Il naît en Pologne, juif polonais. Il va traverser le siècle, il est passionné de musique, il a une oreille absolue, il se passionne pour ça. Un jour il écoute le concerto de Mendelssohn pour violon, c'est un coup de foudre, il se dit que le violon va l'accompagner toute sa vie. L'histoire va faire qu'il va l'accompagner, ce violon, dans la tragédie qu'est l'histoire de notre pays et de la Pologne. Et voilà, et aujourd'hui il est vivant, ses enfants et ses petits-enfants sont des musiciens internationaux reconnus dans le monde entier. C'est traversé le ghetto, ghetto Auschwitz, voilà. Mais c'est une pièce qui ne parle pas que de la guerre. Je veux dire, c'est un détail. C'est vraiment la trajectoire de cet homme qui traverse l'horreur. Sa vie est traversée par l'histoire. Enfin, par l'histoire, voilà. Du XXe siècle. Voilà. Exactement. Et il s'accroche à cette passion pour le violon qui lui permet de le sauver, d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après, il abandonne parce qu'il veut... Il veut illuminer le monde. Donc après, il devient électricien. D'ailleurs, je trouve que c'est assez. Oui, c'est très beau. Comme il abandonne le violon parce qu'il peut plus toucher au violon. Oui. Je crois que c'était physiquement plus possible. Et donc, il devient électricien. Il arrive en Israël. Il devient électricien et il apprend. Et grâce à l'argent qu'il gagne, il donne des cours à ses enfants. Il leur apprend le violon, la musique. Et ils deviennent. Ils créent une dynastie de musiciens. De musiciens. C'est assez fabuleux. Dont le petit-fils qui joue avec moi sur scène. Exactement. Qui est le petit-fils de Raïm. Et qui lui est né donc en 1930. Non, je et qui a 16 ans. Quatre musiciens vous entourent. Donc. Quatre musiciens. Un piano à queue, un accordéon et une clarinette et le violon. On a la bande-annonce du spectacle. Ah et bon ça, c'est, ah oui. Today. L'histoire de Raïm Lipsky. Voici donc le fil ténu d'une vie taillée à coups d'archet à la lumière d'un violon. Yiddishland, nous voici aux confins d'un pays sans armée ni frontières, aujourd'hui anéanti, jadis niché au cœur de l'Europe centrale, où vivait alors, avant la Deuxième Guerre mondiale, de la Pologne à la Russie, de la Roumanie à la Lituanie, 11 millions de juifs ashkénazes. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la guerre. Les Aryens méprisent les Slaves. Les Allemands haïssent les Polonais. Les Polonais haïssent les Russes qui haïssent les Allemands. Les Allemands vomissent toute l'Europe et l'Europe s'embrase. Mais au final, tous ces peuples qui se haïssent tombent d'accord pour mettre les Juifs à mort. C'est le même spectacle, mais c'est pas votre voix. Voilà, c'est ça. Parfois, je suis fatiguée. Donc, elle envoie quelqu'un d'autre. Et donc, non, c'était avant. Oui, c'était avant parce que j'ai repris le spectacle. C'était Natacha Régnier qui le jouait auparavant et je le reprends. Et donc, comme vous l'avez entendu dans le spectacle, c'est vraiment le personnage principal, c'est la musique. Je suis entourée de compositeurs extraordinaires, de Bach à Mendelssohn. Mais qu'est-ce qui vous a touché? Pourquoi c'est la première fois que vous lancez dans une telle aventure de récitant d'un spectacle avec de la musique? Ce qui me touche, c'est l'espoir, la dignité, l'idée de la transmission. Ce qui me touche, c'est la passion. Et j'avais jamais joué une raconteuse. C'est un personnage aussi. Donc, vous êtes seule sur scène. Il y a la musique. Vraiment, je suis pas seule. Il y a la musique. J'ai un texte extraordinaire qui est rempli de vie, de joie. Vous le lisez, vous l'avez appris par cœur? Non, je l'ai appris par cœur.
Bravo. Non, non, mais c'est un spectacle qui ne peut que toucher. Enfin, moi, je suis vraiment, je suis très fière de jouer ce spectacle. Ça a l'air, en tout cas, c'est bouleversant. Et c'est édifiant parce que, comme quoi, quand on a une passion dans la vie, ça permet de traverser toutes les épreuves. C'est un peu ça, le chemin du bonheur aussi, Frédéric. Mais oui, et à la fin du livre, je cite une autre personne qui a un destin, mais qui s'est terminé de manière plus tragique, qui est Itil Soum. Itil Soum, c'est une jeune femme juive néerlandaise qui est morte à Auschwitz et elle a envoyé des lettres dans le camp de transit de Ravensbrück juste avant de partir, dans lequel elle disait « voilà, je sais que je vais mourir, on vit un enfer, etc. » Mais elle disait « mes bourreaux ne peuvent pas m'enlever ma joie de vivre. » Et c'est une femme qui avait su construire un état de joie, rien ne lui a enlevé. Ce qui montre bien que même quand on vit dans des tragédies, il y a des êtres qui ont cette qualité extrême de pouvoir dire « le bonheur, c'est une citadelle intérieure », comme disent les stoïciens. Une fois qu'on a acquis cet état de joie, qu'on aime la vie, qu'on est en paix avec soi-même, et bien finalement, quoi qu'il nous arrive, on voit toujours le bon côté des choses et on est en paix avec la vie.